Bon, après une sortie en vélo avec un groupe, on va manger. Alors, mon assiette, elle est là. Banane, papaye, date, concombre. Et ça, c'est pour Paul. I'm in a bulking phase. I'm getting too lean. So yeah, I'm adding some fats to my carbs and some more fats. Before every meal, I have a 200-gram pack of this. Because I'm getting too lean. Bon, les chips, je vous rassure, c'est pas tous les jours. Hein. Là, il se fait des pâtes. Et là, c'est de l'avocat, sauce tomate et un truc super épicé, là. En petit déj. On the hot sauce. On the hot sauce. Check the hot sauce. That's some good hot sauce, bro. Ça pique un peu trop pour moi. I was going to film you, but you will move the towel. The towel. Can you confirm me now? Let's get them carbs in. Gotta get the calories in for tomorrow. I'm gonna smash 400 Ks on the tandem. Can't fuck around. That's not a joke. No, it's not a joke. Just we're really going so far. It's just a short ride, you know. It's not that bad. I mean, there's a chick who's doing that every single day for a whole year. So imagine that. It's just past 4 o'clock in the morning, and we decided that 200K wasn't enough on the tandem. No, no, no. We gotta do 400K, and we gotta do it in under 12 hours. She looks so ready, so ready, so amped. We are hydrating ourselves. This is what we take on the bikes. Mangoes, dried mangoes from Thailand, and coconut syrup, sugar. Who needs gel when you have sugar and syrup? We gotta go fast like Kenyans today. So we're eating like Kenyans. We got the corn forage there. Boom. Corn porridge with sugar. So I've come to argue with you. You just gotta keep arguing because your ego always comes first. This time we're taking the Fun Rider saddlebag and we've got all our food in there. And the weather is looking like there's a slight chance of rain. Haha. So we're an hour and a half in, nearly 60 km down. I'm just gonna stop for short periods, every hour and a half, just to refuel. It's difficult to eat on the tandem. J'ai bon, finalement on a écourté la sortie, on a fait que 170 ou 180 km au lieu des 400 prévus. Non mais c'est la folie quoi. En fait on a arrêté parce que en fait la selle du vélo me faisait beaucoup trop mal, c'était plus possible quoi. Donc on est rentré et voilà. Alors un tandem c'est pas pareil qu'un vrai vélo. En fait quand, par exemple quand on se lève, faut qu'on se lève le dos en même temps et que tout soit synchronisé, absolument tout, quand il y en a un qui pédale, l'autre pédale aussi, etc. Donc c'est assez technique comme vélo. Hein.
vous le cache pas. Quoi d'autre pour le tandem? C'est plus difficile, je trouve. Et bon, c'est celui qui est devant qui fait le cerveau, qui tourne, etc., etc. Voilà, c'était Paul qui a assuré la partie du cerveau. Et en plus, il a bien assuré aussi pour la partie puissance dans les jambes. Voilà, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Mais... Ah, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Et après, je vous ferai le vlog. Voilà.